Avant cette vidéo, je vous invite tous à venir sur mon nouveau site internet, malexsgo.fr. C'est juste une refonte du design, etc. Comme vous le savez, vous avez le forum pour poster des annonces si vous recherchez des teams ou si vous êtes une team que vous recherchez des joueurs, etc. Vous avez la boutique, comme d'habitude, avec le matériel que je référence. Et les souris, j'ai décidé de les référencer par prise en main. Palm grip, claw grip, fingertip. C'est pour essayer de vous faciliter un petit peu votre travail de recherche. Vas-y Kamel, Kevlar, on rush direct. Vas-y. Donc là c'est 2v2, hein, faut planter la bombe, tout ça, tu connais? Ouais, normal, normal, c'est lourd man. Tu vois là déjà tu te splits avec moi, c'est pas bon. Ouais. Là lui, faut le finir, aide-moi. Voilà, tu vois. Là, ah, on reload. Toi mais tranquille, regarde. On respire. Il est où? À droite là. Ok, tu veux qu'on le joue comment, dis-moi? On est 2v1, on est 2v1. Ouais mais tu veux qu'on le joue par la porte ici? Tu veux qu'on change de zone? Dis-moi, respire. Voilà. Vas-y, passe devant frérot, lead. Ah, je l'ai vu à la porte, je l'ai vu à la porte là-bas, en face. Ouais, bah c'était là-bas où il était. Ah, bah je crois que je l'ai vu là, j'ai vu son bras. Au pire, on split, hein. Un il va à la porte et un il passe par autre. Allez, on va faire ça frérot. J'ouvre la porte. Je prends l'info. Ouais, il est au fond. Ouf, il a pris one tap, il a un HP. Tu peux le jouer, vas-y. Spam-le dans le corps, il a un HP. Tu peux y aller le cutter et tout, carrément. Tu vois, le 2v2 c'est un peu plus dynamique, ouais. Et ça permet, on va dire, de pas... T'sais, tu travailles un peu en binôme, tu peux parler en mode tu veux qu'on le joue, tu veux pas qu'on le joue, respire, de... Voilà, prise de zone et tout, genre en mode on y va pas, vas-y, tranquille et tout. Là, j'ouvre, je vois rien, je flash, ok, ça part, blanc, ça part, un à gauche, viens, on le joue. Ah, ok, je t'attends. Il est collé à gauche, vas-y, go, il est collé à gauche. Voilà, il est mort. Tu vois, je t'ai laissé reload. Ne reload pas. J'ai vu que t'avais un mauvais réflexe aussi, ouais. À reload, tu vois. Tu as vu qu'on vit des situations beaucoup plus... Attends, ça, c'est... Bah, tu sais, on les vit tout le temps, tu vois. Il y a des situations de duel tout le temps. Donc, en fait, c'est... Tu gagnes plus d'expérience plus rapidement sur ta gestion des duels, tu vois. Que 5v5, c'est plus lent, c'est... Mort. Je sais pas où est l'autre. Labo, mort. Bien joué. Si tu t'engages pas, tu te laisses une échappatoire. Même si tu finis l'OHP, on reste en 2v2, tu vois. Et les mecs, ils se disent quand même, ils sont deux, il peut se passer des trucs de ouf. Tu vois, hop, c'est pas grave, je retenterai. C'est pas grave. Bon, ça ne marche pas. 99, j'ai mis. Exactement. Mais c'est juste pour te montrer que tu vois, ça sert à rien, tu peux respirer tranquillou, jamais paniquer et tenter des trucs, tu vois. Et tu tentes, faut tenter frère. Mais te commit jamais. Se commit, ça veut dire s'engager, tu vois. Un mort labo. Ok, essaie de prendre les infos. Tant qu'on sait pas où il est, on se commit pas. Tant qu'on sait pas où il est. Il faut qu'il fasse une erreur, tu vois. Ah, il est au fond. Où ça? Au fond. À la porte méta? Voilà. Te commit pas, tu prends, petite décale, petites infos. Tant qu'on n'est pas dos au mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être le moment où on doit poser la bombe. Dans les 15 dernières secondes, on est obligé d'avancer, tu vois. Sinon, on a 1 minute 30, frère, le temps il est avec nous. Pétasse, moi, je suis à la WAP comme ça. Regarde juste. Contact. Il me défonce. Ouh, dommage. T'aurais pu retenter la WAP, hein. T'as paniqué là, tu vois. Je me suis dit c'était mort, j'ai raté ma balle. Non. Regarde, il a eu le temps lui de retirer à la WAP. Vas-y, sors comme un singe dans la porte en bas là. Je vais la casser avec une HE. Ils vont pas s'y attendre. Surtout que le mec là, il vient à la WAP, ce bâtard là. Voilà, je ferme ma ligne sur lui. Comme ça, il est obligé de s'avancer et moi je le verrai, tu vois. Alors que si je recule, je vais dans sa ligne. Ouais. Après, il faut tout le temps que tu penses à tes choix de positionnement, tu vois. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu vas à droite? Est-ce que tu vas à gauche? Est-ce qu'il va voir si je suis là? Exactement. Je l'aurais pas joué comme ça, tu vois, s'il avait eu un rifle. Mais vu que là, il a la WAP, bah, je me rapproche le plus possible parce qu'au corps à corps, j'ai l'avantage.
Donc là par exemple t'as un scout, je te bloque ici, comme ça tu prends la grande porte. Faut pas la casser en tirant que avec... Si si si, regarde, hop, grenade. Ouais non mais que avec des grenades. Ouais, régale toi. Là là c'est fini tu vois, hop on met le moulot. Merde. Oh le seum. T'es un monstre. Là dans le conduit, dans le conduit. C'est quoi le conduit? C'est le petit, ah oui, le petit tunnel là. Vas-y vas-y continue, avance. Je t'ai flashé là dans les escaliers. Donc il est dans le petit tunnel ou dans le lavabo là-bas au fond là. Tu t'en rappelles? Ouais bah il est là-bas. Vas-y je te le laisse. Et je l'ai mis le HP, tu peux le courir dessus. Là tu lui as dit j'arrive. C'est dommage. Ah il voit plus rien. C'est pas faux. On refait un wingman par exemple, ça va vite ça. Donc là ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu travailles tes duels. C'est-à-dire je veux pas que tu joues intelligemment. Ok, juste... Voilà, je veux pas que tu joues intelligemment. C'est-à-dire que je veux vraiment que tu ailles au fight. Bon, pas comme un débile, pas comme un débile plein milieu, tu vois. Mais là, hop, coup d'épaule. Et là, tu reviens, tu le tues, tu vois, par exemple. Oublie pas le pistolet, vise. Ah, oh, je savais pas qu'il pouvait être là-bas. Voilà, j'ai jamais vu un mec là-bas de ma vie. C'est cimetière, ça s'appelle cimetière. Oh, j'ai plus de balles. Ok, essaye de... Tiens, 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 joue avec ça, joue avec ça, joue avec ça. Moi je joue pistol. Comme ça après tu vas essayer d'apprendre une AK, comme ça t'auras de l'argent. Et tranquille, je flash middle. Je... Lâche longue dedans, passe à gauche. Regarde, tu vois, hop. Donc là on n'oublie pas les débiles de tout à l'heure, regarde je vais smoker sa zone là-bas. Ah, j'ai vu. Mais regarde, pourquoi il t'a tué? Pourquoi? Mais pourquoi il t'a tué? Parce qu'il décale à droite, il décale à gauche, il est en mouvement, tu vois, il a la caisse pour l'aider alors que toi t'es en plein milieu. Tu vois ou pas? Attends, je vais aller short un peu, faire du bruit pour te mettre bien. Wesh. Il était où, dans la biblio? Putain, voilà, je suis trop. Hop, mort. Regarde. Tu vois, j'ai une minute en fait, je peux poser la bombe. Ouais. Mais j'ai une minute, tu vois, j'attends de voir où il est. Je le vois pas donc... Donc là il a pu push la longue et être short maintenant. Ah, vu que c'est un débile, il vient de dire où il était. Hop, là je l'ai vu. Là je l'ai vu. Là je le tue. Ok, j'ai compris. Ouais, pareil, il est en plein milieu, je suis obligé. Genre c'est à haut niveau. Je peux pas rater mon duel là, tu vois par exemple. Ouais, okay. Bah, après bien sûr, quand t'es à haut niveau, les mecs ils mettent des headshots là n'importe comment, mais... Allez viens, on va short, on va arrêter d'aller long, qui casse les couilles. Et on va essayer de rentrer dedans. Après Inferno c'est pas une bonne map genre. C'est une map très fermée, c'est très avantageux CT. Vas-y gros, vas-y, vas-y, vas-y. Bien. Je vais les fumer ce pote, ce clochard de pote là-bas. Fais gaffe, t'es en plein milieu encore une fois, hein. Fais gaffe. Y'a rien, il est reparti son pote. Short. Ah, je vais. Derrière la caisse. C'est un monstre. Tu t'accroupis deux fois sur les duels, hein, fais gaffe. Ouais. Le truc en fait, je t'explique. C'est pas que c'est pas bien, c'est que comme tu t'accroupis, tu t'immobilises. Si tu rates, si tu le rates, que tu le touches pas, ouais. Bah en fait, il peut te violer. Ouais, ouais. Mais si tu le touches, bah c'est pas grave, tu vois. Là, tu les as touchés les deux, donc y'a pas de soucis. Continue, vas-y, enchaîne, 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 enchaîne. Regarde, je mets des molos et je mets des flashs. La longue, là-bas au fond. Ah mort, vas-y, je te laisse le dernier là. Il est au fond. Et maintenant, je comprends pas ce qu'il fait. Wesh. Ah oh ouais, on save en wingman, mais enfin, please quoi. Wesh, il a vraiment save. Oh là 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 là. Là, on est dans le FC chômage level 8000. Regardez le débile quoi. Vas-y, vas-y, tu peux enchaîner, le last est dans la longue. Ah, Negev, ce con. Frère. Vous vous rendez compte qu'il s'est fait un trou dans la smoke parce que c'est un débile. Ah, t'as fait du tapping? Ouais, mais je prenais prise d'info. Ah, ça va alors. J'étais en prise d'info, j'étais pas en mode. Ça va, t'as bien fait. Là. Ok, bon, là c'est pistol, headshot. Donc le sang-froid absolu, essaye de viser la tête. Par contre, là y'a plus de corps et tout, parce que la pénétration d'armure des pistoles c'est de la merde. Pour moi, headshot ou rien. Ouais, c'est headshot ou que dalle. Hein.
Après j'ai augmenté, il faut que je rebaisse un petit peu ma sensibilité, je pense. Trop fort, mal les gars. Wow, c'est un débile, regarde. Il est en plein milieu de tout. Il est en plein milieu de tout, il peut rien faire. Au lieu de me jouer derrière le pilier. Allez, vas-y, vas-y, jouer, vas-y, jouer. Là, c'est le MP9. Tu peux tirer en courant. Là, tu t'hésites pas. Là, tu tires en courant, frère. Allez. Ah, bon, je l'ai eu. Ma TK encore. C'est totalement vrai.